Doberman est un chien allemand connu sous le surnom de « chien de gendarme ». C'est un chien de garde par excellence, mais également un excellent compagnon de vie. Il surveillera à merveille son maître et sa famille entière, se montrera doux, délicat et attentionné. Il ne demande aucun entretien particulier et s'avère être facile à nourrir comme à dresser malgré un caractère parfois difficile. Originaire d'Allemagne, la race doit son nom à son premier éleveur, Frédéric Louis Doberman, 1834 à 1894. Ce dernier, recouvreur d'impôts, responsable d'un équarrissage et chargé par la municipalité de ramasser les chiens errants, cherchait un chien de protection qui se distingue par son courage et son mordant. Le Doberman a ainsi bénéficié des apports de différentes races de chiens de boucher, mais aussi de berger, comme celui de Thuringe. Il a des ancêtres communs avec le Rottweiler. Le Doberman a des poils courts, rudes, serrés, lisses et bien couchés, mais ne possède pas de sous-poils. Il peut être noir ou marron marqué d'une teinte feu sur le bas des membres, sur le poitrail et à l'intérieur des oreilles. Il a un corps fort et élégant pouvant s'inscrire dans un carré. L'encolure est puissante et galbée. Sa posture est gracieuse. Les oreilles sont tombantes et ses yeux sont en amande. Son crâne est fort et sa mâchoire est large. La queue et les oreilles sont coupées dans de nombreux pays, mais cette pratique est dorénavant interdite dans les pays membres du Conseil de l'Europe par la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. C'est un chien qui ne supporte pas le froid car il ne possède pas de sous-poils. Le dimorphisme sexuel est important, la femelle pesant entre 32 et 35 kg, le mâle pouvant peser jusqu'à 40 kg. Le Doberman est un chien sensible, fier, intelligent, bon gardien, fidèle, courageux et vigoureux. Plusieurs facteurs tels que la socialisation et l'éducation donnée au chiot par l'éleveur et son maître influent sur le comportement du chien adulte. Dans tous les cas, le Doberman, rapide et vif, nécessite un maître responsable pouvant anticiper les réactions de son chien et l'éduquer sans laxisme mais sans y chercher de rapport de force, auquel cas le Doberman peut mal y réagir. C'est un chien ayant besoin de vivre près de son maître à l'abri des températures extrêmes. Le Doberman est en effet particulièrement attaché à son milieu et à sa famille. D'instinct, il protège sa propriété et les siens. C'est un compagnon fidèle et dévoué à tous s'il se sent apprécié et en confiance. À l'aise dans sa famille, ses rapports avec les enfants sont excellents. Le Doberman est un chien de travail utilisé depuis sa création en qualité de chien de protection. Employé durant la Première Guerre mondiale par les forces allemandes, étant une des seules races à ne pas craindre le feu des lance-flammes, les Doberman payèrent un fort tribut, la plupart ayant été tués. En 1935, le Doberman devint le chien officiel de combat du corps des marines américains et fut surnommé Devil Dog. Le Doberman fut utilisé pendant les deux guerres mondiales et durant la guerre du Vietnam par l'USMC.
On le retrouve également sur les terrains de travail, sur les parcours de pistage, pratiquant l'agilité et l'obéissance, mais aussi dans des activités de chien de recherche dans les décombres ou de chien truffier. Très attaché à ses maîtres, il excelle dans le rôle de chien de garde. Le Doberman aime travailler. Ce chien courageux et robuste ne recule devant rien. Comme tout chien de protection digne de ce nom, il reste fortement attaché à son territoire et à un tempérament bien trempé. En ce qui concerne l'éducation, le Doberman est exigeant. Bien qu'il ait une facilité dans les apprentissages, son maître devra aussi se montrer rigoureux et cohérent. Bien entendu, il faudra ainsi choisir des méthodes d'éducation positives. Il a aussi besoin de libérer sa grande énergie quotidiennement grâce aux balades ou à une activité sportive. Sa socialisation doit être prise au sérieux afin d'avoir un chien à l'aise partout. Il faudra également penser à le sociabiliser à ses congénères. Car à l'adolescence, les mâles peuvent développer une certaine agressivité envers les chiens du même sexe. Le Doberman se montre fidèle envers les enfants de la famille. Il peut également se révéler protecteur. Il apprécie aussi les séances de jeu qu'il peut partager avec eux. Le Doberman ne nécessite pas d'entretien particulier. Par conséquent, un simple brossage une fois par mois sera amplement suffisant. Problème de santé, ce chien est réputé pour être robuste, mais il peut éprouver des difficultés à supporter le froid, compte tenu du fait que son pelage n'a pas de sous-poils. Il est toutefois touché par quelques maladies, dysplasie, cancer, problèmes cardiaques, arthrose, etc. Le Doberman peut se nourrir exclusivement de nourriture industrielle. Les croquettes de haute qualité lui apportent tous les éléments essentiels au maintien de sa bonne santé et lui permettent de garder une capacité énergétique assez élevée. Son alimentation est à diviser en 2 repas par jour. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.